la partie donc pour cette épreuve près du journal Le Vénard avec tout de suite aux avant-postes Gugus Desmonteaux qui s'est très bien élancé, qui a très bon départ, de même que Britannique qui n'est pas loin du tout avec Juju qui va tenter de venir au centre également. Les concurrents qui sont maintenant bien dans la phase finale de l'épreuve avec également le numéro 8 qui va tenter de venir pareil de la Kazakh Godolphin. Il s'agit bien de Coria Débordé et Robert Soumillon. Les concurrents qui sont maintenant à moins de 100 mètres du disque final et pas de changement notamment en tête. Juju Gugus Desmonteaux qui va tenter de venir également les attaquer aux alentours du poteau. Et puis également le numéro 8 qui est très une très belle ligne droite par l'eau. Il s'agit de Gloria Desbordé qui n'est pas loin du tout. La lutte flash en tête maintenant pour la victoire avec l'As qui a supporté le poids de la course. Gugus Desmonteaux qui va semble-t-il repartir sur les attaques. C'est Gugus Desmonteaux qui s'impose de plus en plus dans cette épreuve. Et c'est la victoire du Poney Club du Parc, et même un triomphe pour le Poney Club du Parc. Bravo Yann, bravo le boss du Poney Club du Parc, il doit être très fier d'avoir signé le jumelé gagnant avec le numéro 1 et le numéro 7 qui ont pris donc les deux premières places. Gus Gus du Monto, monté par Émilie et Rana. Pour le Rabat Nana, la réserve du parcours, on peut l'applaudir. Donne des jambes. Le 4. Le 1